Est-ce que tout va bien? Poussez-vous. Où est Kate? Où croyez-vous qu'elle est? Stéphane, qu'est-ce qu'il y a? J'emmerde Kate. Tout est de sa faute. Quelle est cette marque sur votre visage? Stéphane! Stéphane! Les enfants, ne le touchez pas, c'est sale! Bonjour Amanda, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils ont encore trouvé un oiseau mort, le comité devrait faire quelque chose. Eh bien apparemment il s'agirait d'une épidémie de grippe. J'ai cru comprendre qu'ils allaient fermer les routes et les gares, donc ça a l'air plutôt sérieux. Ah bon sang, c'est épuisant. Visiblement, on ne plaisante pas avec la grippe. Mais bon, je voulais te prévenir. Si tu avais prévu d'emmener les gosses au Pays de Galles, c'est le moment. Merci Barbara, j'en parlerai à Neil pour savoir ce qu'il en pense. Non, Georgie, Benjamin, ça suffit maintenant!
Le champ magnétique crée des perturbations sur le réseau téléphonique et les autres équipements électriques. Il y a des voix sur la ligne, il est 4h du matin. Peut-être que tout le monde regarde le spectacle de lumière. Il faut que vous preniez une décision, Lizzie. Il est temps. Mais je l'aime, mon père. Je les aime tous les deux. Il est marié, et d'autres personnes sont impliquées dans cette histoire. Oh, j'ai du mal à croire que quiconque soit bien placé pour faire des leçons de morale, pas vrai? Je comprends que vous soyez partagé entre Stephen et Robert, mais je doute que Kate soit aussi compréhensive. Ah oui? Enfin, elle se tape personne d'autre. Excusez mon langage, mais elle passe sa vie enfermée dans son observatoire. Stephen me dit qu'il se voit à peine. Vous appelez ça un mariage, vous? Deviennent de plus en plus fréquents, ainsi que les spasmes du côté gauche. Tout cela corrobore le diagnostic préliminaire d'une hypertension intracrânienne qui survient en conséquence d'une tumeur qui grossit rapidement, émanant probablement de l'hypothalamus. Les fonctions cognitives demeurent intactes à l'heure actuelle, en dehors de ces migraines invalidantes. Les hémorragies se multiplient. Et j'ai dénoté des caillots de sang plus foncés qui circulent principalement via les voies nasales. Je crois que je suis en train de mourir.
Ce n'est certainement pas la grippe, ni aucune autre pathologie que je connaisse. Et une tumeur ne peut pas se développer aussi vite. Dans les caillots de sang, je distingue de petites taches qui ressemblent presque, si je devais essayer de les décrire, à de la lumière liquide. Je n'ai aucune explication à ce phénomène. Docteur Wade, vous voilà. Il y a une file de patients interminable ici. Dis-leur simplement d'aller retrouver les autres à la salle des fêtes, s'il te plaît. Les gens ont peur, docteur. Madame Gables vient de m'appeler pour me dire que son mari avait disparu. Elle était affolée. Elle m'a dit qu'avant, il avait du sang qui s'écoulait de ses oreilles et de son nez. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jusqu'à ce qu'il lève la quarantaine, on est bloqué ici. Dis-leur simplement qu'il continue à bien s'hydrater, à rester au chaud et à suivre les conseils donnés à la radio. Docteur, file. Je vous en prie, vous avez un devoir envers vos patients. Votre nez. Thank you.
Meg, venez un peu voir ça. J'arrive pas à le croire. Charlie ? Jérémy, parce que quelqu'un a pillé toutes les maisons vides. Il dit que plein de trucs ont disparu. Quoi de neuf ? On dirait que quelqu'un a récupéré des provisions. L'enfoiré. Bon, on a suffisamment de stock à l'entrepôt pour nourrir le village pendant des mois. Il faut qu'on trouve un camion. On va pas y aller maintenant. Bah pourquoi pas ? C'est Appleton. C'est cinglé de Stephen Appleton. Je vais me le faire. Sam, c'est bon. On ferait mieux de se dépêcher avant que le temps se gâte. Vous venez ? On va passer par le camp et récupérer Rachel en chemin. Je vous ai vu depuis la grande route. Il n'y a pas beaucoup de monde dehors ces derniers temps.
Je cherchais le docteur Wade. Écoutez, Frank, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais votre Stephen a l'air de penser qu'il est responsable. Oui, je suis bien d'avis qu'il l'est. Il a dit que Kate était encore à l'observatoire, mais que le portail était fermé. Frank, on va venir nous secourir bientôt, j'en suis certain. Ils vont envoyer des avions ou autre chose. Oh, ça, ils vont envoyer des avions, oui. Son espèce de trace, on est juste au centre. Donc, s'ils ont l'intention de l'arrêter, on est en plein dans la ligne de tir. Ce n'était pas une distorsion de la physique. Je ne comprends pas encore, mais ça n'avait rien d'un accident. Toutes les horloges, ce qui s'est passé à la tour 6, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une volonté. C'est une tentative de communication. Peut-être aller leur parler. Ils vous écoutent. Je ne vois pas bien en quoi tout cela me concerne, à vrai dire. Tout le village vous respecte. Avec tout ce qu'il s'est passé dernièrement, avec M. Coles et Mme Boughton et les autres, les gens ont besoin de se parler, d'être en sécurité. Peut-être qu'ils n'ont pas l'impression d'être en sécurité dans votre église. Je n'ai pas besoin de votre pardon, Wendy, ni du leur. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Épître aux Romains, chapitre 2, verset 1. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 1. Ce n'est pas mon jugement qui doit vous inquiéter, mon père. Mais très bien. J'irai parler à Barbara. Je lui demanderai de laisser un mot à la clinique pour ajouter un service. Ça vous va ? Thank you.
es là? Tu m'entends? Est-ce que tu es là, Ordure? Tu les as tous eus? Tu les as tous eus? Oh Seigneur, aide-moi, mon Dieu. Donne-moi la force. Père, il y a quelqu'un? Quelqu'un m'entend? Tu es encore là alors? J'aurais dû m'en douter. Allez, viens. Qu'on en finisse pour de bon. C'est mes paroissiens qui m'attendent. Retentissement. Parcourent toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Là où... où il a dressé une tente pour le soleil. Notre Père, qui est aux cieux, votre nom soit sanctifié. Oh mon Dieu. Mon Dieu.